Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Les bonnes sur 1351 à vous tous. Oui, j'ai entendu quelqu'un là dans le lointain. J'ai un petit poil de QRM de mon côté, mais bon, c'est suffisamment fait pour avoir du mal à sortir. Les bosses sont 1351 à la station de la part de Dundee 33, 14 km, 3301, opérateur Rémi, en QTH Sainte-Colombe. J'ai deux points de QRM de mon côté, mais c'est pas du tout évident là, la station là, de comprendre quelque chose. Là, actuellement, j'ai commencé là, une petite vidéo. Avec un peu de chance, j'arriverai certainement à mieux entendre dedans. Je verrai bien après à l'écoute. En tout cas, les bonnes 1351, la station là, que j'entends très très QRP de mon côté. Et merci d'être sur le QSO. Les 73 Michel, oui c'est bien ça, Santiago 2 là de mon côté, donc juste limite de QRM, les bons 73-51 à toi Michel. Avec un Santiago de 2, j'ai un QRM qui a cette... attends, que je raconte pas de conneries parce que j'ai l'impression que je suis en train de raconter une connerie. Santiago 3 de mon côté, j'ai un QRM de 2, donc c'est ça passe, mais faudrait pas que ça baisse de plus. Putain. Et je bafouille en plus déjà pour commencer le QSO. Hachis 3 coups. Ben, moi, tu m'arrives entre 5 et 7. Je voulais te demander, ça connaît tous les deux, l'image que je mets, que je mets sur ton Facebook. Ah, ça a remonté, t'as dû tourner l'antenne un peu là. Santiago 4, là, c'est remonté. Alors, les images, celles qui comportent les indicatifs et tout, dont on voit bien que ça provient de transmission d'Internet, là, comme on peut le voir, celles-ci, non, pas du tout. Par contre, les autres qui viennent de partage de Internet, sans aucun rapport ni quoi que ce soit avec la radio. Là, par contre, on est obligé là d'en faire malgré tout la chasse, car tu vois là aujourd'hui, on a dû gicler quelqu'un justement là qui, ben, par rapport à ça, c'est un petit peu cru tout permis, en nous balançant des saloperies sur le groupe. C'est moi qui les ai montés avec des images de réception. Je te demande quelque chose, moi, après. Là aussi, il y a les QRM. Enregistrez, Bric. Des émetteurs, hein. Non, tout. Par mois, tu n'en verras pas. Bon, il y en a certains comme l'Angleterre qui les envoie chaque QRM. Mais sorti de là, tous les autres, il y a les QRM. Ok, ouais, justement, là, ce qui est primordial là pour tout le monde, parce que là, ben, de temps en temps, je me prends des messages perso là, à ce niveau-là. Ce qui est primordial, c'est que dessus, il est marqué au moins l'indicatif de la personne, que tout le monde comprenne bien qu'il s'agisse bien de radio. C'est parce que là sur les images, il y en a qui sont des fois il y a des publications qui sont signalées, d'autres fois on voit clairement qu'il n'y a aucun rapport avec la radio.
Par contre, certaines où on voit carrément l'indicatif, voire même le locateur, je crois, tout comme ça, là par contre, effectivement, on voit bien que c'est de la radio, quoi. C'est pour ça que. Mais là, c'est vrai que c'est assez compliqué à faire la différence. C'est pour ça que, même si c'est plus dégradé, et je sais que là tu vas avoir les cheveux qui vont s'hérisser sur la tête, les images qui arrivent de la SSTV, là par contre on voit clairement que c'est de la radio, parce que la qualité est dégradée, et donc là on fait mieux la différence là. Alors que tes images, c'est carrément de la haute définition, et c'est pas toujours évident de savoir si c'est du partage internet ou vraiment transmission internet, transmission radio. Ok, avant de repasser au blanc, Hachi, dans ma tête ça sonnait rouge, moi, n'importe quoi. Donc ouais, celles qui n'ont pas d'indicatif, ce qui serait intéressant, Michel, c'est que toi, après coup, tu rajoutes l'indicatif sur la photo. Comme ça déjà, ça coupe toute confusion, et ça fait le petit plus radiophonique. Voilà, c'est comme, en allant dans ce sens-là, regarde par exemple les images qui peuvent arriver de la navette spatiale. Dessus tu rajoutes le nom, ceci, les indicatifs, ceci, cela, là ça fait de suite le petit plus qui plaît davantage. Et en même temps ça dissout tout malentendu. Ok, retour au blanc, Hachi. Les 73 de dos. 73 de station, juste un petit coucou, je repasse vite fait là. Je ne vais pas trop vite fait là, je reviens en pas longtemps. Je vais vous demander de venir, donc restez en stand-by les stations. Ça marche, on reste en stand-by pour toi, Hachi. Ouais, 73 de station. Break. Ouais, j'ai pris le break, bonjour. Oui, enregistrer le break. Avant ça, il y a eu un autre break plus près là, du QRA. En avant. Les bonnes 73 à toi, ben, c'est déjà pas mal de signaler. J'ai eu pas mal de break là. J'ai entendu pas mal de chez moi dans cette chose là. 73 à tous, allez-y le break. Ouais, ok, 73 à tout le monde. 73 à Michel, Rémi, Doudou, Thierry. Les 73 de Stéphane. Eh bien, après deux semaines de vacances plus une semaine de pro, ça va impeccable, Hachi. Ouais, j'ai vu que t'étais parti en vacances, j'ai pas regardé les vidéos encore. J'ai pas eu le temps, j'étais occupé à faire autre chose. Mais je sais que t'étais parti, voilà, pas de problème. Dodo, je l'entends. Qui c'est que j'ai? Michel, ça va, pas de problème. Thierry aussi, je sais pas. Et il y avait peut-être Fred derrière. Je sais pas si c'est l'opérateur Fred qui vient habituellement. Je sais que je l'ai dit, quoi, cette semaine, je l'ai eu aussi. Je sais pas si il est derrière. Voilà, je te renvoie le micro, Rémi, qui va tourner, ok?
Ah, bah si, Astrouille, c'est peut-être Fred, là, que j'ai entendu, là, en début de QSO. Sauf que là, moi, sur le QRA, là, j'ai deux points de QRM. Et du coup, il m'arrive pas assez fort pour que j'arrive à le reconnaître. Mais j'ai bien entendu quelqu'un, là, dans le lointain parler. Bah, si c'est toi, Fred, les bains sur 13-51, sans problème. Alors, oui, t'as vu, t'as aperçu que j'avais fait des vidéos. Alors, oui, t'as intérêt à faire autre chose, hein, pendant que tu regardes les vidéos. Parce que... tu vas trouver le temps long sinon. Parce que là, chacune des vidéos tourne à peu près, attends si je me trompe pas, entre 1h30 et 1h45, voire 2h, et pour la toute dernière, la 8e, 2h15, je crois, un truc comme ça. Alors, donc oui, c'est sûr que vaut mieux mettre ça, on va dire, en fond sonore et faire autre chose en même temps, c'est clair. Hein. Retour à toi, Stéphane. Ok, ça marche. Retour sur Michel. C'est le bonsoir à tout le monde, mais les Bordelais, je sais qu'ils ne m'entendent pas. Alors, par contre, Rémi, la dernière petite fois, avant qu'on en parle plus, je te signale que de chaque image que j'envoie, j'ai marqué image DRM, réception, GPI. Oui, Doudou, il est passé en QRT là momentanément, justement ouais, pour aller casser la croûte. Et il l'a dit tout à l'heure. Michel, petite parenthèse, désolé s'il y a eu confusion sur certaines publications. Là, le prochain coup, il n'y a pas de problème, je regarderai un peu mieux. Oui, non, c'est pas un problème. Non, mais comme je disais tout à l'heure, du moment que dessus il y a marqué l'indicatif, ceci, cela et tout, qu'on voit bien que qu'il n'y ait pas de confusion possible, quoi. Qu'on voit bien que c'est de la radio, c'est sans problème. Hein. C'est marqué sur la réception radio. Alors, mais
Ok, ça marche. Surtout que, comme tu as vu, hein, ça publie énormément là sur, sur le groupe. Donc, des fois, c'est pas toujours évident de gérer. Comme on n'est pas en permanence 24 heures sur 24 dessus. Et c'est vrai que c'est parfois c'est assez ardu quoi de s'y retrouver. Hein. Comme je vois des fois quand je vois les notifications, bon ok, je liste, à chaque fois j'ouvre dans un nouvel onglet, ceci, cela, j'arrive sur le groupe, je découvre d'autres publications qui sont passées au travers, ainsi de suite. Et là, je vois là par exemple aujourd'hui, y en a un qu'on a dû gicler. Justement par rapport à une publication de qu'est-ce que c'était mis pour soi-disant gagner un nouveau téléphone portable suite à une publicité qui n'existe même pas, qui est passée soi-disant à la télé, ceci, cela. Donc c'est vrai que des fois c'est l'erreur est vite arrivée, c'est pas toujours évident. En tout cas, lui, en ce qui concerne, l'erreur là, elle n'était pas possible. En plus de ça, c'est vrai que la publication avait été aussi signalée par quelqu'un. Donc là, le nettoyage a été fait. Mais c'est vrai, je reconnais que des fois, l'amalgame est vite fait. Hein. C'est vrai, il faudrait qu'ils en jouent d'autres alors. Oui, il n'y a pas de problème. Retour Thierry. Ouais, salut tout le monde. Ouais, mais je dis, il faudrait que, si c'est comme ça, il faudrait que vous en rajoutiez d'autres. Et certaines personnes. Ok, après ce petit intermède, est-ce qu'il reste du monde en fréquence? Il y a quelqu'un qui s'est décalé en fréquence. Michel, ce serait pas toi des fois là que j'aurais entendu à l'instant là qui serait un peu parti en fréquence? Oui, j'ai entendu petit Roger Bip là dans le lointain, ce serait pas Doudou. Attends, c'est très QRP là de mon côté, en plus j'ai un soupçon de QRM et ça suffit pour couvrir. Ben c'est pas grave. S'il y a des stations en stand-by derrière, les bonnes 1351 à vous et à la prochaine. J'entends quelque chose, mais il y a quelque chose qui déconne là, dans l'émission.
Yankee Contest. SQ Ali Contest, Italy Kilowatt Zero, Papa Hotel Yankee. Sugar 59. Both of them are very good, Ray. I prefer the version at the moment because it's just all around better. And the other one needs a bit of work. Back to you, Stuart, from here to HW. Don't you mean that you prefer the UR6 rather than the Behringer, John? Yeah, that's what I mean. Yeah, did I say that? Yeah, you said you prefer the Behringer there, right? No, sorry. That's the end, that's right. Tá bom?